הזאת לרבי נחמן. רבי נחמן ילדים יבר פשע, לפשע איסטנבול. ובן פשע איסטנבול, זה פשע איסטנבול, אלא ואין סון גוברנמן, קונסילר, המיניסטר, Il aimait beaucoup et qui était juif. Il aimait beaucoup ce conseiller, ce ministre. Il aimait beaucoup, il venait tous les jours chez lui, ils parlaient ensemble, ils étaient très amis. Et il y avait là-bas un espèce de curé qui n'était pas très content de cette relation entre le pacha et le juif qui venait tous les jours. Il était jaloux parce que lui, il demandait de venir une fois par an au maximum. Alors le juif, il disait bien tous les jours, donc il était très très jaloux. Et il s'est dit, comment je peux faire pour faire du tort, pour écarter ce juif de Pacha. Alors il a trouvé une solution. Il a appelé le juif et il lui a dit, écoute, au nom du Pacha, je te dis la vérité, c'est qu'il t'aime beaucoup, il te trouve très très sympathique, très utile, tu l'aides beaucoup et tout, mais il y a un petit problème, c'est que tu sens mauvais de la bouche. Alors, je ne veux pas dire comment dire en argot, mais tu sens mauvais la bouche. Donc, il lui a dit, alors le juif, il a dit, c'est vrai, il a dit, écoute, il ne peut plus supporter. Il ne veut pas te dire de pas venir parce qu'il t'aime beaucoup, mais il ne peut plus supporter ton odeur, impossible. Alors, le juif, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, j'ai un conseil pour toi. Tu vas braquer un petit sachet, et dans le sachet, tu vas mettre des parfums très forts. Je te dis déjà où les acheter, tu vas acheter des parfums très très forts. Et quand tu parleras avec le roi, tu secoueras ton petit sachet devant ta bouche pour pas qu'il y ait la mauvaise odeur qui dérange le pacha. Je lui ai dit, je te remercie, tu es vraiment un frère. Ah, formidable, je vais faire ça. Et rentre à la maison, il a demandé à sa femme, fabrique-moi un petit sachet que je puisse secouer devant la tête du roi. Et ça va comme ça, parce que je ne veux pas perdre ma place. Le roi, il aime beaucoup, moi aussi, il aime beaucoup. Alors, ça va être cousu toute la nuit. Il a fait un magnifique petit sachet. Ils ont mis les épices qu'avec le curé, il avait dit d'acheter les épices. Ils ont mis toutes les épices. Et pendant ce temps-là, le curé arabe est allé voir le roi. Il a fait le travail inverse. Il a dit au roi, Majesté, votre conseiller le juif, je dois dire la vérité, c'est un homme fidèle, il vous aime beaucoup, il vous sert avec des moments et tout, il y a juste un problème. Il y a juste un petit problème. Il dit quoi, quel problème? Il dit, il y a un problème, c'est qu'il trouve que vous sentez mauvais la bouche. Il a dit, vous sentez mauvais la bouche. Quoi? Il a osé dire une chose pareille? Eh oui, j'ai entendu mes oreilles. C'est lui qui m'a dit. Il a dit, prouve-le. Tu me dis, tu fais des accusations. Mais je me suis trouvé. J'ai eu une conversation intime avec lui. Et il m'a dit qu'il avait atteint la limite, plus supporter cette odeur. Et la preuve, c'est qu'il m'a envoyé un petit sachet pour dissiper votre odeur. Quoi? Dissiper mon odeur? Il a dit, vous verrez demain s'il gagne un petit sachet ou pas. Alors ils ont passé la nuit, et donc c'est la nuit où il a fait le travail du juif. Et le lendemain matin, le juif, il arrive sur le pacha, salam alaykoum, les trucs, il prend le petit sachet. Pourquoi il a dit ça? C'était vrai, quelle horreur, quelle déception. Et pour une fois, je croyais que j'avais un ami qui m'a trahi aussi. Bon, je l'aime trop pour le tuer comme ça, je vais le tuer autrement. Alors il a dit au juif, est-ce que tu peux me faire une mission? Tu peux remplir une mission pour moi? Alors le juif, il a dit, oui, bien sûr, hein, là, il était content parce qu'il a dit, voilà, ça a marché. Je n'ai pas gêné aujourd'hui avec mon honneur, ça a bien marché. Donc il était content, il s'est dit, je vais faire la mission. Quelle est la mission? Si c'est pas compliqué, tu vas porter cette enveloppe à l'adresse qui est indiquée dessus. Et tu me dis, bien sûr, Majesté, aucun problème. Il a pris l'enveloppe, il y avait une adresse. Il a commencé à se diriger dans la direction de l'adresse. En chemin, il rencontre un autre juif, mais cette fois-ci un juif du bled, un juif des campagnes, un juif du désert, et qui dit, ah, bonjour, comment allez-vous et tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on cherchait? Il dit, voilà, on a eu un petit garçon, on a personne.
Et aujourd'hui, il a venu dans la personne. On a personne qui a voulu venir jusque dans notre bled. On est perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Noël. Je vais venir, je vais faire la prime là. Et d'un seul coup, il s'est rappelé, il s'est dit, c'est vrai, je suis Noël, mais je suis acheté compte du roi. Je dois faire la mission que le roi m'a confiée. Il a dit, attends, je vous ça passe avant tout. Il a dit, bon, mais je vais me débrouiller, mais je vais aller faire la prime là. Ça passe avant tout. Alors ils cheminent tous les deux, le vieux Cluviage et l'ami du roi, et ils rencontrent le clé. Alors ils rencontrent le clé, c'est Dieu qui t'envoie. Il a dit, écoute, le roi il m'a donné une enveloppe à porter, mais je n'ai pas le temps parce que je dois aller faire la petite là. Alors, comment on fait? Il dit, il n'y a pas de problème mon ami, je vais la porter pour toi. Et le clé s'est dit dans sa tête, comme ça me fera encore une accusation de plus qui ne fait même pas son travail. Je vais apporter pour toi. Alors il a approché l'enveloppe et le juif, le conseiller du roi, il est parti avec le paysan des montagnes. Ils sont partis tous les deux vers la brumilla. Et le curé, il a regardé l'adresse, il a dit très bien, je vais porter ça. Et après je dis au roi, voilà, il m'a demandé de le porter, voilà comment il respecte aux ordres. Alors quand il est arrivé là-bas, il est arrivé à l'adresse, ça avait l'air un peu bizarre. D'abord, il n'y avait que du sable et des caillasses, des cailloux, du sable et tout. Et puis, une maison un peu noire, comme ça. Une drôle d'atmosphère, un peu désertique et un peu lunaire. Et d'un seul coup, il s'approche de la maison, il y avait une espèce de maison noire, comme ça. Il s'approche, il tape, il voit un énorme bonhomme qui lui est rentré. Alors, il dit, voilà, je viens de la part du roi, je t'apporte une missive. Et il fait voir, il a ouvert. Et dans la missive, il a marqué prière de jeter dans le fourneau l'individu qui vous apporte cette lettre. Alors l'autre a dit, il a frappé, il l'a jeté dans le fourneau et on était débarrassé de ce rachat. Alors ça c'est une histoire que Rabbi Nachman a racontée. Et il y a, on peut l'expliquer de toutes les façons, mais il y a quelque chose de très profond et de magnifique dedans, dans cette histoire. Il y a une leçon très importante. Quelle est la leçon? La leçon, c'est tout le conflit entre le peuple juif et les nations dans le monde. C'est-à-dire que les nations, quand elles sont dirigées par le mauvais côté de Satan, ils viennent devant les juifs, ils disent « Le roi t'aime beaucoup, tu es le peuple élu, tu es le peuple choisi par Dieu, mais tu l'importunes, tu es désagréable pour lui, tu as une mauvaise odeur. » Alors le juif dit « Comment je pourrais faire ?» Va, rentre à l'université, rentre au truc, apprends les langues, apprends les choses comme ça. Tu seras un juif respectable, tu auras des diplômes, etc. Alors le juif, il a cru dans cette chose-là. Il est rentré dans le jeu, il a fait ces choses-là, il a fait ses préparations. Et à ce moment-là, le Satan, il va faire le contraire. Il va voir Hachem, et il dit à Hachem, les juifs, ça leur suffit la force que tu leur as donnée. Ils vont chercher des médias, de la technologie, tout ça, tout ça. Ils vont plus à ça avec la Torah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir demain. Et quand ils voient ça, alors il y a des grandes énigmes, il y a des difficultés. Alors Rabbi Nachman, il donne la solution. La solution, c'est la prière. Le dévouement pour cette mitzvah, c'est ça qui nous sauvera. Le dévouement jusqu'au bout que le Ham Israël a fait pour la Bible depuis 5000 ans. Que le peuple juif se sacrifie pour cette mitzvah et pour tout ce qui est attaché à cette mitzvah, ça, c'est ça qui va nous sauver, parce que là, on trouve le dévouement complet et le sacrifice. Je suis une bénédiction de la part des saints.